Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Business et Spiritualité avec mon polo, Paul Pironet. Comment tu vas mon polo ? Eh bien écoute, très bien. Je ne sais pas si on arrive bientôt à la fin de cette série, je crois. Bah si, ouais. Là, on en a fait beaucoup de Après, vidéos. Je ne sais pas dans quelle ordre on va les publier, mais bon, en tout cas, aujourd'hui on va parler d'un thème assez important, assez fort qui me passionne, qui est la mort. D'accord. Qui, Donc tu es passionné par la mort, toi. Je ne dirais pas que je suis passionné mais par la mort. Mais c'est passionnant. Mais le sujet me passionne. Et, la question de la mort. La question de la mort, qu'est-ce que c'est ? Son rapport à la mort. Moi, je pense que ça m'arrive d'avoir peur de la mort. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de la mort. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de la mort ? Quel est ton rapport à la mort ? Voilà. D'accord. Ton point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mort ? Quand je te parle de mort, ça t'évoque quoi ? Ben, la mort, c'est d'abord la fin de la vie. Donc, ça veut dire que la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait ? Si toutefois, il y a quelque chose derrière. Donc, pour beaucoup, ça peut être une fin. Moi, je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles les religions et les chercheurs se retrouvent. C'est que tout est énergie et tout est transformation. Et que rien ne se perd, tout se transforme, en fait. Donc du coup, je me dis, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais en tout cas, il y a probablement quelque chose qui se passe. Alors, je dis ça et en même temps, moi, j'ai eu la chance, très jeune, d'avoir perdu ma mère. Donc ma maman qui est... Tu parles de la chance de perdre ta maman. Oui, mais je vais t'expliquer pourquoi par rapport à notre sujet. Ouais. Parce que bien sûr qu'il y a des choses qui ont été terribles pour moi, mais il y a aussi des choses qui ont été fortement positives et constructives. Donc j'ai un rapport Ça, c'est super intéressant. Oui, bien sûr, au décès et à la perte qui est un peu particulier. Moi, je pense que ce que nous vivons, ce que nous ressentons, quoi que ce soit, ça découle de l'interprétation que nous donnons aux choses. Donc la vraie question, c'est quel est le modèle d'interprétation que je suis et qui fait que je vis telle ou telle chose. En ce qui me concerne, quand j'ai peu de temps avant de perdre définitivement ma mère, donc ma maman, à l'époque, elle a fait ce qu'on appelle, j'avais 12 ans, un peu moins, 11 ans, 12 ans, elle a fait ce qu'on appelle une mort imminente, c'est-à-dire qu'on a cru, sur le plan médical, qu'elle était donc décédée, et puis finalement, elle est revenue. Et du coup, quelques temps après, le temps qu'elle se remette, elle est décédée d'un cancer, elle est donc en phase terminale, et elle m'a convoqué avec mon frère, Pierre, mon frère jumeau, et elle m'a dit, je voudrais vous expliquer, en fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette fameuse journée qui, je dois le dire, est la plus belle journée de ma vie. Alors, ma mère était en même temps très croyante, donc il faut replacer ça dans son contexte de croyance à elle. Et toujours est-il qu'elle nous raconte en fait ce que la plupart des gens nous racontent quand ils font des morts un peu imminentes ou suite à des accidents. Et souvent, c'est des témoignages qui sont très similaires. Oui, et d'ailleurs, je vais te revenir sur le processus parce que du coup, j'ai été évidemment très interpellé très jeune sur ce processus, et à chaque fois que j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer des gens ou d'écouter des témoignages sur le sujet, j'ai évidemment été très attentif, pas seulement à ce qu'ils me racontaient, mais au processus. Et en fait, on retrouve pour la plupart du temps un peu les mêmes grandes phases. Quand tu dis processus, c'est le processus de mort imminente. Les phases, qu'est-ce qui s'est passé ? Les personnes passent, en fait. Oui, c'est ça. Donc en général, il y a une première impression, c'est qu'il y a le sentiment de quitter le corps. Donc, un peu en passant à travers les murs, comme ça, elles vont aller vers des personnes qui sont plus ou moins en direct avec ça. Ensuite, il y a une deuxième phase où elle décolle carrément. C'est ta maman qui t'a raconté ça ? Oui, tout à fait. Et ce que j'ai la plupart du temps entendu. T'as eu d'autres témoignages aussi ? Après, il y a une espèce de sentiment de tunnel avec cette fameuse lumière qui est au loin. Ouais, donc, les gens passent ça. Et puis, à un moment donné, ils arrivent dans une grande phase où il y a beaucoup de lumière. C'est pas une lumière aveuglante, mais c'est quelque chose de très, très fort. Ils racontent tous un petit peu la même histoire. Ma mère, ça a été la même chose. Et là, il y a comme une présence, en fait, qui est là et qui te dit, en gros, à travers tout ce que tu as vécu, que t'es le fruit, en fait, de toutes les conséquences de ce que tu as vécu, en positif et en négatif. Il y a une espèce de reconnexion un peu immédiate dans le temps présent à tout ce qui a été ton histoire, le bien que tu as fait, le mal que tu as fait, et une espèce de déculpabilisation complète, en fait, à ce moment-là. Et un non-jugement, en fait. Et un non-jugement de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est une des phases que l'on voit. Et puis, à un moment donné, où il y a une dernière zone qui est un peu la question, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu décides de revenir ou pas ? Et si oui, pourquoi, en fait ? Et là, ma mère, elle a décidé de revenir pour une raison qui la retenait. C'était ses deux enfants qui n'avaient pas encore 18 ans, en l'occurrence, mon frère et moi-même. Et elle a décidé de revenir à ce moment-là. Et beaucoup ont décidé de revenir. Alors, ils ont des phases aussi de connexion, ils ont des réponses à beaucoup de questions. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'ils reviennent.
Et en fait, ils reviennent habités de cette espèce de paix intérieure qui va en général les suivre longtemps après dans leur vie. Toujours est-il qu'elle est revenue, et donc voilà, elle est revenue à la vie. Après, ça a duré 3-4 semaines avant qu'elle se remette un petit peu sur pied. Et elle nous convoque pour nous raconter ça. Et là, elle nous dit, ben voilà, je suis revenue pour la raison suivante, vous, et en l'occurrence pour savoir si vous acceptiez que je parte, définitivement. Waouh, ok. T'avais 12 ans. Eh ben, ouais. J'avais 12 ans, ouais. Et là, il s'est passé deux choses dans mon système intérieur. D'abord, j'ai eu une conviction d'une évidence qu'il y avait quelque chose au-delà de la mort. Mais déjà tout petit, toi, tu penses qu'il y a un truc... Je le pensais, ouais. C'était comme une évidence, mais là, c'est comme une confirmation de cette évidence. C'est comme si tu m'avais dit, mais tu sais, derrière, l'herbe est plus verte, j'en reviens d'ailleurs, je peux te confirmer que l'herbe est plus verte dehors, quoi, en gros. Ah, ok. Donc là, j'avais, en plus de ma mère, tu vois, c'est... et puis évidemment, elle ne me racontait pas d'histoire, je veux dire, il n'y a pas d'enjeu de... Bien sûr. C'est pas un bouquin d'histoire, quoi. C'est pas un bouquin spirituel. C'est pas. C'est ta maman qui revient et qui te dit, bah voilà ce qu'il y a de l'autre côté, en gros. Donc. Tu lui as répondu quoi? Et là, face à ça, je lui dis, écoute, pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit tu guéris, parce que c'est vraiment lourd hein, de te voir s'ouvrir comme ça et bienvenue ici, quoi. Soit sinon, bah, tu te transformes, en fait, et tu vas vers ta destinée. Et je pense que. T'as dit ça à 12 ans? Ah, bah ouais, j'ai un truc comme ça à 12 ans. Je m'en souviens très, très bien. Et. Mais ce qui m'a connecté à ça, c'est une espèce d'évidence que, à ce moment-là, notre vie sur Terre, c'était un tout petit bout, en fait. Mmh. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus immense autour de ça. Vous parlez de foi? Ouais, je ne sais pas si on parle de foi, mais enfin, je ne sais pas quoi j'avais la foi, mais en tout cas, j'ai senti quelque chose de beaucoup plus grand à ce moment-là. Et du coup, ça m'a beaucoup apaisé par rapport à ça. Et même pour te dire, bah, tu vois, quand on l'a enterré, parce qu'elle a fini par mourir par la suite, et enfin, c'est vite après, d'ailleurs. Et tu vois, alors que tout le monde était un peu triste, bon, ma mère était très spirituelle, elle avait était religieuse, enfin pas religieuse, mais, quoi. Donc sa mort a été célébrée, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle voulait qu'on l'habille en blanc, que les gens soient en blanc, qu'ils fassent la fête, voilà, que ce ne soit pas quelque chose de triste, mais au contraire un passage à autre chose, puisque pour elle, elle passait vraiment à autre chose. En fait. Donc c'est plus quelque chose à célébrer. On trouve ça dans certaines cultures. Donc moi, j'ai grandi avec ce truc. Et peu après, j'ai été reconfronté par des proches à des disparitions de famille ou d'amis. Et c'est vrai que dans ma configuration familiale, la mort n'est pas la fin d'une destination, c'est une phase de transformation. Donc toi, tu n'as pas peur de la mort, finalement? Alors, non, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur de la mort. Moi, si tu me penches au-dessus de la fenêtre et que j'ai peur de tomber, j'ai peur de me tuer, toi. Mais plus du processus, pas de l'après. Non, c'est que je garde cette peur de mourir, et je l'aime bien. Ouais. Et elle me protège pour beaucoup de choses, et elle m'invite aussi à profiter de chaque instant, parce que j'ai eu d'autres pertes, comme mon frère, comme tout ça, qui sont, même pour lui, c'est donner la mort, donc c'est encore une autre histoire. Ouais. Et je me dis, waouh, alors que je pensais qu'il y avait tellement d'autres solutions, mais j'ai été triste, bien sûr, j'étais en colère, voilà, mais je me souviens du moment où je lui pose la main sur l'épaule, il était en très mauvais état. Et parce que je l'ai retrouvé plusieurs jours après. Et enfin, c'est à son âme que j'ai parlé plus qu'à lui, en fait. J'écoute, c'était ton choix. Mais moi, ça me révèle à quel point j'ai envie de vivre, en fait. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Du coup, là, on parle de ton rapport à la mort. Et du coup, c'est quoi ton rapport à la vie? Eh bien, c'est celle-là. C'est que... Non pas que j'ai peur de la mort. Je pense qu'il y a... Enfin, j'ai une idée de ce que je mets derrière. En tout cas, j'adore me raconter cette idée-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aime bien vivre avec. Et puis, en attendant, je suis content d'avoir peur de mourir pour pouvoir profiter plus encore de la vie, quoi. Donc, c'est clair que s'il y a quelqu'un qui me met une situation d'urgence avec le risque de mourir, sois tranquille, j'ai peur de mourir. Mais ça fait partie de mon système, et c'est bien par rapport à ma vie sur Terre. Même si au-delà de ça, spirituellement, je pense que quand on est de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui nous attend. Mais pour l'instant, je suis content de ne pas le savoir. Et d'ailleurs, ça m'intéresse assez peu de le savoir. Ce qui m'intéresse, par contre, c'est de me dire, quand je serai de l'autre côté et que je regarde ma vie d'aujourd'hui, waouh, comme j'espère pouvoir rencontrer des grandes ce monde qui m'ont inspiré, Mandela, Peter King... C'est une trace et que c'est du sens pour toi. Et que tu je me dis, si un jour je me retrouve au paradis à leur table, d'abord, je vais avoir envie d'écouter leur histoire. Mais quand ils vont arriver à Apollo, et toi, c'est quoi ton histoire? C'est ça qui va donner du sens à ma vie, c'est j'aimerais bien savoir qu'est-ce que je vais leur raconter, en fait.
Donc, mon ambition sur Terre, c'est d'avoir une histoire à raconter quand je serai là-haut. Excellent. Je te remercie, Paulo. Super. Et donc, voilà, en gros, alors ça, c'est ma vision un peu personnelle, mais ouais. Donc, je pense qu'on se transforme. Je ne sais pas exactement dans quoi, mais je pense qu'on se transforme dans quelque chose de plus élevé, en tout cas sur un plan spirituel. Et en attendant, moi, je suis sur la Terre pour vivre sur la Terre, pour profiter de cette vie et faire ce que j'ai à y faire, de faire le plus proprement possible, avec le plus d'élégance possible, et puis surtout, voilà, à travers ça, de contribuer, de laisser ma trace au maximum. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ça qui est important pour ma vie. Donc la mort, oui, j'en ai peur, mais en même temps, je la célèbre. Je te remercie énormément, Paulo, pour ce témoignage. Tu as parlé de choses aussi intimes, donc je te remercie aussi pour cette générosité que tu nous as donnée. Mm-hmm. Si tu avais un dernier message à transmettre pour les gens qui ont peur de la mort, justement, juste une dernière parole à leur donner, qu'est-ce que tu dirais ? Je leur dirais que quel que soit ce qu'ils croient, ce n'est pas ça qui est important. Ce qu'ils vivent est important. Et ce qu'ils vivent est fonction de ce qu'ils croient, c'est-à-dire de l'histoire qu'ils se racontent. Donc moi, je les inviterais juste à se construire une histoire qui soit en phase avec ce à quoi ils aspirent. Et on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. De toute façon, vous ne le savez pas. Donc autant vous raconter une histoire qui soit aidante, élevante pour vous et bonne pour vous. Et autant vivre à fond. Voilà. Super, mon Paulo. Merci énormément pour ce message. Cool. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez autant kiffé que moi. Et voilà, j'espère que si jamais vous avez envie d'interagir, nous faire des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Et puis, je vous remercie énormément. Mon Paulo, énormément merci aussi pour ta présence et tous ces petits moments. Vidéos qu'on fait. Moi, je te remercie aussi beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire un petit pouce si vous avez kiffé. À très bientôt. Ciao, ciao. Un plaisir de vous retrouver.